Je profite de l'occasion pour prendre mon petit déjeuner avec vous et je vais vous expliquer mes remerciements dans la seconde qui vient. Je vous souhaite une bonne santé. Ainsi, je suis commencé à travailler avec YouTube pour faire quelques vidéos avec Google Plus. J'aime beaucoup. Nombreux vous êtes à me laisser des commentaires sur mes vidéos. Et comme je viens de vous expliquer, j'aime beaucoup lorsque vous me laissez des commentaires. Et ce matin, je prends mon petit déjeuner. Si je prends quelques bouchées en vous parlant. Il paraît que je prends beaucoup, pour ne pas dire régulièrement, des grosses bouchées. Ce couteau, je vous l'ai déjà présenté, c'est préféré. Et si, comme vous expliquez, il y a quelques mois, et j'étais inconnu de vous tous, et maintenant vous êtes 165 à écouter régulièrement mes vidéos. Je vais reprendre ma phrase. Vous êtes 165 qui avez accepté de vous abonner à ma chaîne. Et j'en suis bien heureux. Il y a bientôt, j'aurai, j'espère, cette semaine, 2000 personnes qui font 2000 visions de mes vidéos cette semaine. Alors, je vous remercie d'avance. Et j'aime beaucoup quand vous partagez. Cette fourchette, elle date de mon mariage. Ça fait maintenant, oui, je peux dire, ça fait maintenant 37 ans que je suis marié, presque 38, et toujours heureux de l'être. Je ne connaissais pas les vidéos ASMR et je suis bien heureux d'avoir connu. Je trouve cette approche relaxante. Moi qui parle très fort, qui parle rapidement. Un vrai délice. Ça me donne l'occasion, en même temps, de parler tout doucement, de parler lentement. J'aimerais que vous m'expliquiez avec vos commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous produise comme vidéo? Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous raconte? Des anecdotes? Ou tout simplement mon quotidien? Ou quelques jeux de rôle? Quelques jeux de rôle de médecin, de coiffeur, de dentiste? J'ai des idées pleines. Je manque un peu de temps, mais avec des idées que vous pourriez me donner, je pourrais me concentrer.
essayez sur main, vous avez entendu parler, vous avez un compte vous aussi chez Twitter. Et ce matin, j'ai vu et regardé, écouté Julie Schneider. Vous connaissez peut-être Julie Schneider du Québec et Céline Dion. Ils auront, je ne sais pas si ce seront les principaux acteurs, mais il semble que Julie Schneider sera sûrement une des principales intervieweurs. Elle aura plusieurs artistes de la France, entre autres. J'ai trouvé ça intéressant. Le titre de cette émission s'appellera, je crois, L'été indien. C'est mieux. D'accord. Vous avez sûrement un jour ou l'autre regardé une carte géographique où vous voyez ce majestueux fleuve qui est bordé par quelques rivières comme la rivière Saguenay. C'est une immense coupe d'eau qui se jette aussi dans le fleuve et à l'embouchure de ce fleuve. Parce que tu manges du pain. Pour ma part, j'aime la croûte bien dorée. Un petit peu de beurre, délice, un véritable délice. Pardonnez-moi si je m'interromps pour parler. Et puis, dans toutes mes vidéos, familier avec la caméra, j'ai un petit ou un majestueux, je ne sais pas comment l'expliquer, un petit déglutissement ici. Pardonnez-moi, mon épouse dit que je ravale. Je sais pas, je n'ai pas vraiment porté attention. Si c'est un geste nerveux de moi ou si tous les hommes ont cette attitude.
cette danse. C'est un cadeau que j'ai reçu de ma mère, maman, pour mes 60 ans. Et oui, 60 ans passés. Et je la prends fièrement pour me faire une blague à mon 60e anniversaire. Elle m'avait fait un immense sur les dessus de la pile, un petit ourson environ petit brun. Et je m'étais installé sur le sofa pour déballer le tout. Et j'ai un petit caniche tout et brun, et il s'est approché de moi. Il regardait attentivement. Puis lorsque j'ai déballé, il a vu apparaître le petit ourson sur le dessus de la même couleur que lui. Il s'est lancé. Il a pris dans sa gueule. Et il est parti avec se cacher dans son lit. Et il s'est couché dessus. J'ai décidé de lui laisser. C'était trop mignon. Je sais pas si mon petit chien a cru que c'était son bébé. C'est une fille, mon chien. Je ne sais pas si elle a cru que c'était à elle. Elle était tellement mignonne que j'ai décidé de lui laisser. Mon petit chien a maintenant 14 ans. Toujours aussi alerte. Une bonne journée, je vous le présenterai, ça me fera plaisir. Cette semaine, mon système est un peu bouleversé, je sais pas pourquoi. Juste ici, je sens à l'intérieur un grand stress. Plein de... Si ce stress continue à s'accentuer, j'aurai plein de stries qui vont apparaître. Mais j'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Je dois découvrir. Et oui, je dois découvrir qu'est-ce qui accentue ce stress. Je n'ai pas coutume. Bon, j'en profite. Je vois bien que... Ah, je serais jolie comme ça. J'aurais l'air un peu plus jeune. C'est-tu ça qu'on appelle un facelift? Alors, c'est un faux facelift. Et tire pour moi. Je pourrais me prendre une pince et accrocher après les oreilles. J'aurais de l'air plus jeune. C'est peut-être ça qui me dérange, je ne sais pas. Alors, pardonnez-moi si j'interromps la conversation. Je vous laisse parler pendant que je prends la bouchée. Raconte-moi. Oui, c'est ton tour, raconte. Dis-moi ce que tu aimerais, le sujet que j'aborde dans ma prochaine vidéo.
Tu as un compte sur YouTube pour pouvoir raconter, me parler, me laisser des commentaires. Est-ce que je vais devoir faire une vidéo pour t'expliquer comment ouvrir un compte sur YouTube? C'est gratuit et c'est facile, ça prend quelques minutes, 4 minutes, 5 tout au plus. Et peut-être pas, je me souviens pas vraiment. Je vais vous montrer quel est mon plaisir lorsque je mange un œuf. Ne soyez pas trop offusqués. Je prends du temps de découper mon jaune d'œuf et je le fais éclater. Ne me traitez pas de salaud. C'est ma gourmandise. C'est ma gourmandise. J'ai encore ce fameux chaton dans la gorge pour un personnage qui ne fume pas. C'est pas très agréable, mais j'ai un crâne assez uni, une manucure qui aurait besoin d'être faite. Est-ce que vous aimeriez que je mette un nez de clown? Est-ce que vous aimeriez que je prenne une immense perruque? Cheveux longs jusqu'aux fesses. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Avec les nez de clown rouge. Vous voyez que en arrière de moi, le fan de ventilateur sur mon foyer ne tourne pas. C'est parce que c'est l'été, il fait chaud. Le poêle est éteint jusqu'à l'automne, septembre, octobre, peut-être novembre, j'espère. Vous savez, il est rare que je prenne autant de temps pour prendre un petit déjeuner. C'est vraiment parce que
j'aimerais beaucoup, dans la semaine qui vient, avoir 2000 vues et même plus. J'aimerais 100 000, 1 million, mais pas assez connu encore. J'en arriverai peut-être à ce résultat si vous m'aidez. Merci de votre patience, vous êtes des anges. Ainsi, vous avez sûrement vu la vidéo où que j'ai fait avec Ouija. Ainsi, ouais, qu'est-ce que tu dis? Ok. J'ai quelques petits poils blancs. D'ailleurs, c'est pour ça que les gars, ces globes chauves, j'ai les cheveux blancs comme du lait. D'ailleurs, depuis que j'ai c'était gêné de devenir blanc et ça s'est estompé un peu. Et puis, avec l'âge, à l'intérieur du nez, ah oui, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur, une petite fourrure. Épilé. Et puis dans les oreilles, c'est pareil. Et une petite boule de poils qui sort ici et là. Alors j'ai une pince à épiler pour nettoyer tout ça. Et ça reste que j'ai réussi à être présentable. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. J'espère que vous ne me trouvez pas trop monotone. J'aime beaucoup, beaucoup le déjeuner avec des œufs.
utilise le fromage blanc, mozzarella, et moins gras, et je peux prendre le coin défiloché. Il se défait comme un fil. J'aime beaucoup. Pour le fromage jaune qui se vend en tranches et enveloppées individuellement. C'est la saison du pollen, pardonnez-moi, c'est tout. J'avais renoncé à faire des vidéos à cause de celle-ci, mais que vous serez tolérant avec non, je ne mange pas que des croûtes. J'aime beaucoup le pain doré avec le beurre. Acceptez de vous asseoir avec moi. La pause petit déjeuner est complétée. Ça me fait plaisir de partager avec vous. Et comme vous avez dit, n'oubliez pas de me donner vos suggestions pour les sujets de film. Vous êtes aujourd'hui 165 abonnés à ma chaîne. Lorsque j'ai débuté, je ne sais pas si c'est parce que les femmes utilisent le compte de leur mari ou de leur copain. J'ai commencé avec 97% d'utilisateurs masculins et 3% féminins. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je vous parle à l'occasion et bientôt 7 mois. Bientôt 7 mois. Et vous maintenant, vous approchez de 50%, vous êtes, mesdames, rendues à 47% sur ma chaîne d'abonnés. 47% sont des femmes maintenant. J'en suis bien content si ça vous plaît lorsque je vous raconte ces petites anecdotes. Ça me fait plaisir. Je vous remercie. Et n'oubliez pas, vous savez sûrement, prenez le temps de regarder les publicités sur mes vidéos lorsque vous les regardez, même si vous ne les regardez pas toutes, regardez-les au moins une vingtaine de secondes, c'est peu dans une journée, 20 secondes, en cliquant sur j'aime. Et moi, YouTube me récompensera à sa façon. Quelques centimes.